tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un tutoriel sur une ferme à blé, carottes ou pommes de terre, semi-AFK, très efficace et assez peu cher qui va vous permettre de reproduire en masse vos ressources. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec son fonctionnement. Comme vous pouvez le voir, cette ferme se compose principalement d'une ligne de terre cultivable surmontée par des dispensers et d'une ligne de rails devant elle. Le joueur va donc monter dans le minecart, ce qui va lui permettre de circuler devant la terre de façon continue, et ainsi de planter à l'infini des plantes. De plus, les dispensers seront alimentés de façon extrêmement rapide par cette cloque, qui leur permettra de distribuer très rapidement de la bonne mille sur les plantes et ainsi de les faire grandir quasiment instantanément. Enfin, à chaque fois que le joueur arrivera en bout de ligne de rail, son pacha sera détecté et activera ce piston, qui décalera toute la ligne de terre et fera donc sauter les plantations que le joueur récupérera lors de son passage suivant. C'est ainsi que vos ressources seront reproduites en masse. Nous allons donc pouvoir maintenant passer à la partie construction de ce tutoriel. Pour ce qui est de la construction, une liste des matériaux nécessaires va maintenant s'afficher à l'écran. Nous allons commencer par faire une ligne de 13 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur laquelle nous allons passer dans cet ordre un rail powered, un rail détecteur, 9 rails normaux, encore un rail détecteur et enfin un rail powered. Nous allons mettre des butées en fin de chaque bout et activer les powered rails grâce à des leviers. Nous allons ensuite placer un bloc comme ceci et comme ceci, afin de pouvoir activer les pistons plus tard ici. Nous allons placer de la redstone ici. Et maintenant, quand un minecart passera sur ce rail, ce piston sera activé. Nous allons reproduire ce même système de l'autre côté. Donc un bloc ici, de la redstone et un bloc ici avec le piston sur le dessus. Nous avons maintenant nos deux pistons qui nous permettront de déplacer la ligne de terre. Nous allons maintenant donc pouvoir placer cette ligne de terre. Vous allez donc placer 6 blocs de terre comme ceci afin de laisser un bloc d'écart qui permettra à cette ligne de se déplacer. Ensuite, pour permettre d'irriguer cette ligne de terre, nous allons placer une source d'eau ici. Hop, hop, hop. Vous placez votre source d'eau là et notre ligne de terre sera donc irriguée. Vous pouvez casser les blocs supplémentaires comme ceci. Nous allons donc maintenant pouvoir placer nos dispensers. Il en faut 7, ils seront placés face à la terre comme ceci. Hop, et voilà. Notre système d'engrais est donc maintenant quasiment terminé. Enfin, pour l'alimentation des dispensers, nous allons maintenant construire une cloque très rapide. Nous allons donc poser des blocs comme ceci et créer un angle avec 3 blocs sous lesquels nous allons placer 3 torches de redstone qui seront activées comme ceci. Et la redstone ici permettra d'activer de façon très rapide les dispensers. De plus, nous allons ajouter un levier à cet endroit là qui nous permettra de couper la ferme quand on n'utilise pas, ce qui est très agréable compte tenu du bruit qu'elle produit. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à labourer cette terre, à poser votre minecart et vous êtes prêt à cultiver en maintenant un clic droit avec des carottes, ce que je vais vous montrer tout de suite. Pour pouvoir cultiver, il va falloir remplir les dispensers de bonne mille, ce que nous allons faire tout de suite. Comme ceci. Hop, et voilà. Et nous allons maintenant pouvoir, en prenant des carottes, ou vous pouvez faire ça avec des pommes de terre, des betteraves ou des graines de blé, monter dans le minecart, activer au passage, si on y arrive, la cloque, et planter comme ceci. Et vous voyez que mon nombre de carottes augmente de façon très rapide. Maintenant que cette ferme est finie, vous pouvez aussi ajouter de la glowstone sur les deux pistons pour éclairer toute la zone et permettre aux carottes de pousser même la nuit.
C'est donc tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo ou même à vous abonner. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien d'ici là.